Est-ce qu'on peut chanter encore ensemble? J'irai, je n'ai que toi. Tout ainsi constant, je serai tombé parmi seul. Alors j'irai, je n'ai que toi, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, tout aussi constant comme ce jour-ci. Merveille sera comblée ce jour-ci. I know you are the Father, I know you are the friend, and I am in the goodness of God.
Le Seigneur a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Dieu, quand il crée toutes choses, c'est pour un but. Donc, si Dieu a institué le mariage, ça veut dire que c'est pour un but bien précis. Alors, maintenant, la question que nous allons répondre, quel est ce but-là? Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, là, alors moi qui vous parle d'abord, hein, c'est lui que je me présente, je m'appelle Aubin. Donc, j'ai la fonction parce que là, je m'appelle Aubin, je suis marié. D'accord? Je suis marié devant le maire, devant Dieu. Ça fait juste à peine 18 ans. D'accord? Juste à peine 18 ans. Ouais, tu vas clamer le Seigneur. Juste à peine 18 ans. Et même quand j'ai juste à peine 18 ans, c'est pas le mariage des galères. Tu vois, non, il y a des mariages où c'est. Mais voilà, au niveau du conseil, sachez que le fait de se marier devant Dieu, c'est pas une garantie d'être heureux. C'est pas une garantie. C'est le fait de se dire, je vais aller voir les parents, on va aller à la mairie, et puis on va appeler le pasteur, il va nous unir, et puis on se dit, non, ça ne veut pas dire que vous serez heureux. Moi, je connais des personnes, je les connais, ce n'est pas qu'on m'a dit, je connais même des pasteurs qui ont une grâce particulière, qui ont divorcé. Divorcé, marié, des enfants, divorcé. Je les connais, à qui on a béni le mariage, divorcé. Donc ce n'est pas parce que, on est là, non. Mais c'est parce que aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout dire. Mais vous avez suivi la formation, non, c'est ça. Très bien, super. Donc, c'est. Moi, je veux juste donner quelques éléments, d'accord? Et puis, les formations que vous avez reçues, et puis les éléments que je veux donner, bien en plus, l'Esprit de Dieu va vous aider afin de le mettre en pratique. Donc, la première des choses, c'est quoi? Avant de se marier, c'est sûr et certain, il est important d'aimer une personne. C'est important d'aimer la femme avec qui on va s'engager. C'est important d'aimer l'homme. Sincèrement, si tu n'aimes pas la femme avec qui tu te maries, c'est compliqué. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Vous êtes d'accord avec moi? C'est compliqué, il faut aimer. Ça, c'est clair. Et généralement, tel qu'ils sont là, c'est sûr que. Après, je ne sais pas comment vous avez vécu le fiançailles. Hein. Je ne dis pas là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais d'habitude, lorsque les fiançailles sont. Les gens vivent les fiançailles selon Dieu. Quand on dit selon Dieu, ça veut dire que je ne touche pas la femme, je ne fais pas des bisous à la femme. Et généralement, quand c'est le moment comme ça, l'homme est là, en fait, il n'est pas là. Est-ce que je peux comprendre? L'homme peut être là, mais il n'est pas là. Voilà, généralement, c'est ça. Et quand c'est comme ça, on sent l'amour. On veut être ensemble, enfin. Alors, mais le premier point, c'est ce que vous savez, l'amour, c'est un sentiment que vous devez arroser dans le mariage. L'amour, c'est un sentiment. Mais ce sentiment-là, il faut l'arroser chaque jour. Pour le mariage. Parce que, regardez, il y a des gens au début, tu vas dire que non, j'aime cet homme-là, je l'aime, j'aime cette femme. Mais quelques années après, il va te dire non, je l'aime plus. Ce n'est pas qu'il n'aime plus, mais c'est parce que l'amour a été infecté. L'amour, c'est comme une fleur. Alors, je prenais même la fleur rose. Vous voyez la fleur rose, non? La fleur rose, elle est magnifique à voir et elles sont bonnes. Mais la fleur, il faut l'entretenir. La fleur, il faut l'arroser. La fleur, il faut prendre le temps de soigner la fleur. Et l'amour, c'est exactement la même chose. L'amour, il faut l'arroser avec des belles paroles. L'amour, il faut l'arroser avec des regards attractifs. L'amour, il faut l'arroser avec des paroles admiratives. Et l'amour, il faut l'arroser avec des actions concrètes. L'amour, il faut l'arroser avec des cadeaux. Il faut arroser l'amour tout le temps. Est-ce que je parle l'amour, il faut l'amour que vous avez là entre vous deux, vous devez l'arroser tous les jours. C'est précieux l'amour, c'est magnifique, c'est beau. Amen. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier conseil que je vous donne, parce que je n'ai pas le temps, je ne peux pas aller en profondeur. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que l'amour, le deuxième conseil, il faut, la Bible dit dans Genèse 2, 24, l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Et en plus, tu dis, quand Dieu a vu que l'homme a apprécié la femme, maintenant la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et maintenant dans Matthieu 19, 6 dit par exemple, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair que l'homme ne sépare. Qu'est-ce que vous devez quitter? Il faut quitter l'influence, les orientations et les conseils. Alors ça se fait un peu mal, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il faut dire des parents, mais en tout cas des personnes que vous aimez, des personnes que vous appréciez, des personnes qui dans vos vies ont eu de l'impact, des personnes qui dans vos vies, lorsqu'ils parlaient, tu déclinais. Quand on se marie, lorsqu'on est, je te dis, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, lorsque ta mère te parle, il faut honorer maman, il faut honorer papa, mais fais attention. Et même les bonnes personnes qui sont avec toi, il faut les honorer, respecter, mais fais attention. Ton mariage là, c'est toi qui dois gérer ton mariage. C'est toi qui dois t'occuper de ton mariage. C'est toi qui dois donner des orientations à ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans tout le cas, tous les mariages qui ont ouvert des portes à d'autres personnes, parce que c'est possible d'ouvrir les portes, c'est possible. Comment? Et lorsque tu as un problème, les femmes, tu appelles ta mère. Mais vraiment, mon mari, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vas exposer ton mari. Ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ton mari est censé changer. Mais lorsque tu vas exposer ton mari, qu'est-ce qui va rester dans la pensée de la personne à qui tu as exposé ton mari? C'est l'image que tu as affichée de ton mari. Et même si ton mari est changé, c'est ce qui va rester dans sa tête. Et c'est la même chose aussi pour l'homme. Il ne faut jamais exposer ta femme. Jamais. Moi, je ne parle jamais de ma femme chez mes soeurs. Impossible. Impossible. Et même mes soeurs ne peuvent jamais venir devant moi pour dire, mais ta femme, impossible. Sinon, je vais prendre la bouche. Impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu a institué le mariage. Il dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa famille, deviendra. Donc, si tu touches ma femme, tu m'as touché. Tu m'as touché. Tu m'as touché. Si tu parles mal de ma femme, tu parles mal de moi. Et c'est important. C'est ça qui fait que vous allez avancer. C'est ça qui fait que vous allez traverser le fond, la tempête. C'est ça qui fait que même quand d'autres mariages sont en train de tutumer, vous allez tenir le cap. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que même si autour de vous il y a des divorces, vous allez passer. Vous allez traverser. C'est ça. Et même quand vous avez des problèmes dans votre couple, quand vous avez des... Généralement, regardez, hein, quand par exemple Hervé, il se rend compte qu'il a un problème avec Myriam, et souvent il y a des hommes, il va prendre le téléphone, il va appeler la mère de Myriam. Heureux. Dis avec moi, heureux. Il va appeler la mère de Myriam. Il va dire, ta fille est comme ceci, ta fille est comme ça, regarde ce que ta fille a fait. Mais entre nous, soit-il, une mère, une maman, qui a porté son enfant pendant 9 mois, tu penses que, tu penses que, même si sa fille a fait une erreur, donc tu penses qu'il va, et il, du moins ce que ça peut arriver, si c'est une femme vraiment, vraiment une femme qui craint Dieu, a vraiment un niveau où, mais l'amour maternel, les sentiments, les émotions, vont toujours influencer. Toujours. C'est pourquoi, dans un couple, l'idéal c'est quoi? Vous avez des parents, des témoins, c'est ça? Vous avez choisi des témoins, c'est ça? Non? Vous avez des témoins. Et certainement, c'est des bons témoins, c'est ça, non? Il y a les pays, mais c'est bien ça. Voilà, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, justement? Voilà. Les témoins sont là pour ça. Les témoins ne sont pas là juste pour venir manger, danser, lui partir. Non, les témoins, c'est pour cela, quand on fait le choix des témoins, il faut bien faire, il faut bien choisir les témoins proches. Les amis proches, en particulier le sexe opposé. Alors, je ne parle pas des relations où vous avez les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que tous nous travaillons dans le monde, moi je travaille dans le monde séculier. Dans le monde séculier, on a des relations, on a des personnes qui ont du potentiel, des personnes qui portent des projets sur lesquels nous travaillons. Mais sont des sexes opposés, ça c'est différent. On a le même centre d'intérêt commun. Je parle des amis, tu vois, non, il y a des filles, non, ça c'est mon bout. Depuis l'enfance, c'est l'ensemble. Vous êtes là, vous parlez, vous ne pouvez pas, une heure du temps, vous êtes là au téléphone. Sexe opposé, mais vous dites quoi? Ah non, je dis, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Dès que tu es marié, ça doit s'arrêter. C'est un choix, c'est une décision. Parce que si vous ne faites pas ça,
une femme qui est mariée, c'est pas toi au nom de Jésus, d'accord? Voilà. Une femme qui est mariée avec son homme, tu prends ton téléphone. Non, c'est mon pote, on a grandi ensemble, on a fait l'école primaire ensemble. C'est là, tu une le mari est là à côté. Donc, tu parles avec qui? Avec le monsieur. Mais attends, c'est pas possible. Mais vous dites quoi? Même si l'homme ne dit rien, même si je suis un homme, même s'il ne dit rien, même s'il est super spirituel, mais au nom de lui, il va se poser. Alors, nous ne parlons même pas. L'homme, c'est la même chose, j'en connais. L'homme, c'est ma petite, t'es petite de moi. Allez là devant ta femme, qu'il puisse faire partie aussi de votre. Voilà, qu'il soit la petite de ta femme. C'est ça en fait. C'est un choix. Si vous voulez réussir, si vous voulez aller de là, vous voulez avoir un mariage, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que quelqu'un. Voilà, il faut qu'il y ait un dialogue. Tu vois, il y a des fois, quand les gens ne sont pas ensemble là, dans la même maison, ils parlent. Ah, je me souviens, ouais. Tu vas voir, si tu es en train de derrière une femme, tu vas voir, tu prends la copine, tu vas l'accompagner chez elle. Vous allez être devant chez elle. Au lieu de rentrer chez elle, non, vous tournez, vous allez chez vous, chez toi. Vous arrivez là, vous repartez chez toi, et vous revenez encore, vous parlez, parfois ce que vous dites, vous redites les mêmes choses, vous redites. C'est pas mauvais, c'est bien, mais ça doit continuer dans le mariage. Ça va continuer le mariage. Quand on est dans le mariage, tu vas voir quelqu'un, ton mari ici, ta femme est là-bas, vous êtes là, vous parlez. Mais pourquoi vous parlez? C'est important de parler. Alors, c'est vrai que nous les hommes, je suis un homme, c'est vrai. Regarde, ton frère dit c'est vrai. Nous les hommes, c'est vrai. Nous les hommes, souvent, c'est compliqué. Parfois, les challenges sont tellement dans la journée, quand on rentre à la maison, c'est compliqué. On a juste envie de la. On n'a pas envie de parler, ça c'est vrai. Maintenant, ça c'est à la femme de connaître son mari, pardon, de savoir comment. Parce que même si l'homme n'a pas envie de parler, mais on peut l'inciter à parler. Parce qu'il veut dire, il y a des choses que l'homme aime, ça c'est à la femme de jouer ce rôle-là. Ah oui. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Non. Dans le mariage, il y a toujours des points de divergence, il y a toujours des points d'incompréhension. Toujours, ça peut arriver. Dialogue, c'est important. Alors, un autre point, alors, par exemple, la Bible dit dans Ecclésiaste 4, 12, il dit, et si quelqu'un plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Ma prière à moi, quand je parle de pardon, c'est quoi? Dieu qui est l'instituteur du mariage doit être le troisième fils de votre vie. Hervé le premier, Myriam est le deuxième. Il faut mettre Dieu comme troisième fils. Amen. Quand tu es le troisième fils, quelles que soient les divergences que vous aurez, quand vous allez vous asseoir, vous allez parler. Dieu va vous aider à vous parler les uns et les autres. C'est ça qui va vous amener de traverser les autres. Amen. Dieu doit être, parce qu'aujourd'hui, vous nous avez amené devant Dieu, et Dieu doit être le troisième fils. Amen. Maintenant, le quatrième point, je finis bientôt. Le quatrième point, c'est, je vais vous parler de des structures hiérarchiques du foyer. Moi, j'accompagne souvent des couples. Juste là, la semaine dernière, il y avait un couple un couple qui est déjà marié avec des enfants. Et j'entends parler la femme. Elle dit, non, moi, dans tout le cas, dans ma vie, la première personne qui compte d'abord, ce sont mes enfants. Et après, c'est ma mère. Et à la fin, il me prend mon mari. J'ai dit, mais tu ne vas pas arriver loin, c'est pas possible. Tu ne peux pas mettre tes enfants devant. Et tu mets ta maman après. D'abord, même, je pense qu'il a mis la maman devant. Les enfants après, et le mari vient en derrière. Faut pas faire ça. Regarde ton frère, dit faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Alors pour tous ceux qui sont croyants, si vous n'êtes pas croyant, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il y a un temps pour tout. Pour tous ceux qui sont croyants, qui croient en Dieu, dans votre mariage, Dieu doit être en premier. Dieu doit être en premier. Hervé, Dieu. Pourquoi Dieu? Regardons l'image, regardons. Quand Dieu a créé Adam,
comme tu as créé Adam. Est-ce que Ève était là? Ève n'était pas là. Ah, pas du tout. Pas du tout. En fait, quand vous lisez la Bible, ça veut dire quoi? Avant que Ève, donc Ève, pas le Ève qui a chuté là, là c'est la Ève, Ève céleste, tu vois, donc, voilà. Là, tu vas porter ton mari, tu vas la soutenir. Donc, avant que Ève vienne, déjà Adam, il avait une relation avec Dieu. Déjà une relation avec Dieu. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si une femme, tu veux avoir du succès dans ton mariage, pousse, je vous dis, quand un homme est séduit par Dieu, quand le cœur d'un homme est passionné pour Dieu, quand le cœur d'un homme est embrasé pour Dieu, tu vas gagner. Tu vas gagner, tu vas gagner. En fait, oui, tu vas gagner, tu vas gagner. En fait, il y a des femmes qui vont chercher à Dieu. Il y a même parfois qu'on voit des magiciens, des marabouts. Ah, laisse ces choses-là, laisse ça. Si tu veux gagner le cœur de ton mari, pousse ton mari à aimer Dieu. Pousse ton mari à être passionné. Quand quelqu'un homme aime Dieu là, même s'il y a des... Tu vois, parce que dans la vie, il y a des femmes qu'on appelle des femmes kamikazes. Tu les connais? Oui, il y a des femmes kamikazes. Quand ils viennent, poser là, ils sont fous. Il y a des femmes kamikazes. Quand ton mari, tu l'as poussé, il aime, tu l'attaches à Dieu. Mon gars, quelles que soient les femmes kamikazes, tranquille. Et vice versa. Si l'homme veut compter dans lui dans la femme, non, non, moi je t'aime, je ne veux pas d'autre. Non, non, laisse tomber. Pousse ta femme à aimer Dieu. Pousse ta femme à aimer Dieu. Parce que regarde, quand Dieu a créé, quand Dieu a vu l'homme, enfin, c'est Adam, d'accord? Adam céleste, ok? Quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin. Adam seul. Ah, pardon, ça c'est quand même. Il a laissé Adam seul. Adam a travaillé. Tu, au bout d'un moment, s'est rendu compte que le gars là, je ne peux pas le laisser seul. Il faut que je lui donne une aide semblable. Maintenant, il a fait endormir. Adam, il a pris une côte. Et quand il a pris une côte, il est parti avec la côte. Il a crié. Il a crié Ève. Il a crié Myriam. Tu vois, non? Il a crié Myriam. Maintenant, quand il a crié Myriam, avant d'amener Myriam vers Ève, Myriam a d'abord eu une relation avec son créateur. Oh yes, oh yes. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oh yes. Il a d'abord, voilà, c'est fini, voilà. Il a d'abord eu une relation avec son créateur. Est-ce que l'homme, tu sais ce... Il y a des hommes qui disent, moi je connais ma femme. Tu connais ta femme? Là, tu peux connaître une femme, toi. Ah, c'est bien, c'est ton jour, c'est ton jour. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est ton jour. C'est seulement pour cette saison, quand tu vois une personne. Ok. Alors, je veux juste... demander qui ici représente le Père. Est-ce qu'il y a le Père de... Ok, d'accord. Ah ouais, alors, est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour qu'il se tienne debout? On va clamer le Seigneur. Alors, donc, on va demander au Père, ça tombe bien, papa est là. Voilà, on va demander au Père de l'amener sa fille, et de temps de donner sa main, la main de sa fille au jeune mari. Yeah, 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 yeah. Yeah, quel est. Est-ce qu'on va clamer? Acclamons. Yes. 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 Hervé. Merci beaucoup. Je vais te donner Myriam avec amour et avec joie. Que Dieu puisse vous bénir, puisse faire de grandes choses pour vous. Amen. 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 Yeah, yeah, yeah. Merci. Yeah, yeah. Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut les aider? Très bien. Alors je veux poser des questions à Hervé et veux-tu de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la défendre, de demeurer fidèle en renonçant à toute autre femme et de te préserver pour elle seule. Oui. Yeah, yes, yes.
qui je le veux. Yes. Alors je vais poser la même question à Myriam. Myriam, veux-tu prendre Hervé pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux. Yes. Yes. Maintenant, ce qu'on va faire... Oui, acclamons Dieu. Yes! Yes! Donc, déjà, pour commencer, tu es très magnifique. Yes! Yes! Moi, Hervé, je vais continuer à t'aimer, à te chérir, à t'emmener en haut, toujours, et... Je t'aime jusqu'à la mort. Amen! Yes! Juste une question, est-ce que ça enregistre? Yes! Yes! Yes. Vous avez compris, hein? Yes! Yes! Alors, Myriam, on va faire pour vous. On va te laisser t'exprimer. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je te remercie, mon Dieu, parce qu'il a été incroyable. Vous m'avez soutenu. C'est un témoignage. Mais je tiens à te remercier, mon Dieu, parce que tu as été au-delà de ce que je pensais. Tu m'as tout donné. Il m'a apporté une paix incroyable. Je ne pouvais pas imaginer. Et ce mariage, tu le dédies, mon Dieu. Vraiment. Accompagne-nous jusqu'au bout. Amen.
Et mon chéri, l'homme selon le cœur de Dieu. Oula. Je te remercie parce que tu as toujours été là pour moi. Tu m'as laissé le temps d'apprendre. Tu m'as appris à être une femme, une grande femme. Je te remercie pour tout l'amour que tu m'apportes tous les jours. Et croyez-moi, on m'en apporte tous les jours. Amen. Amen. Il est incroyable. Si je pourrais pas vous expliquer, mais c'est formidable. Amen. Et toutes les personnes qui t'entendent dans leur vie, ils ont beaucoup de chance. Il y a peut-être des gens qui, je pense, qui savent pas la chance qu'ils ont d'avoir dans leur vie. Super et beau, intelligent, charismatique. Yes! 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 Mon balade dans la voix. Yes! Le numéro 17! Yes! En sagesse, en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Que ça soit ainsi
leur postérité au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Cette prière est scellée dans le nom puissant de Jésus le Christ. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Amen. On va clamer, on va clamer. Yes. En qualité de ministre de l'Évangile, je vous déclare, je vous êtes bénie dans le nom de Jésus, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, je vous présente monsieur et madame Moussa Ansala. Le marié. Les témoins de la mariée. Est-ce qu'on peut encore acclamer en parlant de la famille? Alors, donc nous allons arriver aujourd'hui avec du succès. Et du succès dans ton mariage. Ok? Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes! Et aussi, nous allons donc remettre ce certificat. Voilà, c'est un certificat de mariage. Nous voulons vraiment marquer le pas parce que nous croyons que c'est un événement particulier. Ce certificat, nous allons le remettre à la femme qui est la maîtresse de la maison. Voilà, la femme de valeur, la femme vertueuse, parce que c'est toi qui tiens. D'accord? Allez. Amen. Le plus important, c'est enregistrer. C'est magnifique. Alors, Hervé, tu as vu ta femme, non? Tu as vu ta femme, non? Allez, s'il te plaît, c'est à Hervé. Thank you.
ceux qui sont venus dans l'église. Merci beaucoup.